Nous sommes samedi 10 juillet 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée, voici les titres de cette édition. Clarification du directeur général des impôts sur la réforme des factures normalisées, elle n'a rien à voir avec la flambée des prix de certains produits sur le marché. C'est une vaine polémique alimentée par certains commerçants indélicats. À suivre en début de ce journal, les explications du directeur général des impôts. Difficile de circuler sur le tronçon carrefour Tankpé-Rouetor dans la commune d'Abomey-Calavi. L'état de la voie se dégrade de jour en jour et les usagers éprouvent d'énormes difficultés. Une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO lance officiellement ses activités à Djougou. Le réseau entend, à travers ses interventions dans la commune, lutter contre les violences à l'égard des filles et des femmes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le Bénin accueille depuis 3 jours maintenant le sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Venus des pays de l'espace communautaire CEDEAO, les participants se sont retrouvés à Cotonou pour débattre de thématiques qui touchent à la jeunesse africaine, à la CEDEAO elle-même et à ses missions d'observation au syndrome du troisième mandat en Afrique. Invité surprise aux travaux de clôture du sommet, le président béninois Patrice Talon dit prendre l'engagement de travailler comme ses prédécesseurs à une alternance au sommet de l'État au thème de son second mandat. Je vous propose de suivre le président Patrice Talon. Dans les communautés qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'acquérir les uns après les autres, les ingrédients de l'expression réelle de la volonté populaire. Dans ces pays-là, dans ces communautés-là, il convient, puisqu'on ne sait pas qui est qui, comme on dit, il convient de limiter les mandats. Quoi que puisse être la qualité de l'un au passage. Mais donc, de manière générale, limiter le mandat pour que ceux qui sont bons dans le meilleur du monde pendant cette période, et d'ailleurs lui ne peut être éternellement bon, et que ceux qui sont mauvais n'usent pas de leur capacité de nuisance trop longtemps. Donc quand on fait la balance des avantages et inconvénients, l'évidence est claire. Limiter le mandat est à tous égards au profit du peuple que de laisser les uns et les autres rester éternellement dans la fonction, sachant qu'en général, les plus mauvais sont plus nombreux que ceux qui sont bons. Et c'est pour ça que vous avez raison. Vous avez absolument raison de prôner l'alternance dans les fonctions de responsabilité à la tête des communautés humaines, notamment des nôtres. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre. À en être témoin. Un exemple ici, comme mes prédécesseurs. Ce mérite, il n'est plus le mien ici au Bénin. C'est un acquis pour nous. Mes prédécesseurs l'ont montré. J'ai simplement à faire comme eux, afin que ceux qui vont venir après continuent de faire comme nous. Donc au Bénin, ici, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. L'alternance, la limitation des mandats. Alors nous devons donc œuvrer à renforcer cela au Bénin. Chacun devra œuvrer à ce que ce soit durable. Mais vous pouvez le porter
au-delà de nos frontières, au-delà des frontières du Bénin. Mais moi, je me contente de faire ce qui est de mon devoir ici, au Bénin. Merci. Et voilà, au sujet de l'actualité nationale, eh bien, le directeur général des impôts apporte des clarifications sur la vaine polémique venant de certains commerçants indélicats qui tentent de justifier la flambée d'un certain nombre de prix de produits par l'instauration des factures normalisées. Le directeur général des impôts fait savoir que la réforme des factures normalisées est pensée depuis 2018. Je vous propose de le suivre. Les impôts et les taxes relèvent du domaine de la loi. Cela veut dire clairement que le gouvernement ne peut pas de son chef augmenter les impôts. La dernière loi de finances qui est applicable au titre de l'année 2021 n'a pas prévu de nouvelles taxes. Donc il n'y a pas eu en clair d'augmentation des taux existants ni de création de nouveaux impôts. En conséquence, la flambée de prix qu'on constate sur les marchés n'est pas donc due aux différents impôts. Il s'agit d'une situation mondiale liée à la crise sanitaire qui a entraîné des retards de production dans les grandes usines. Donc le phénomène est mondial. Les pays de la sous-région également connaissent la même situation. Pour dire que la réforme de la facture normalisée n'induit pas une augmentation ni des différents impôts, ni les prix de vente des différents produits. Il s'agit simplement de remplacer les reçus, les quittances qui étaient données précédemment aux consommateurs par une facture qui est sécurisée, qui est certifiée. Tel que le système fonctionne, cela ne peut et évidemment pas engendrer une hausse des prix. En effet, la réforme a commencé depuis 2018. En 2018, nous n'avons pas connu de phénomène de hausse de prix, ni en 2019 et 2020. Donc ça se justifie pleinement qu'il ne s'agit pas donc des conséquences de cette réforme. Et mieux, le mécanisme qui est mis en place ne peut pas permettre cela. Parce que d'abord, les machines qui servent donc à la facturation de la TVA, lorsqu'elles sont achetées par les entreprises, les prix sont remboursés. La loi a prévu un remboursement qui est étalé sur 3 ans à partir du moment où l'entrepreneur utilise effectivement ces machines. La deuxième chose est que pour toutes les entreprises, il est prévu un système de délivrance en ligne des mêmes factures. Cela veut dire que l'entreprise qui n'a pas les moyens d'avancer le prix de vente de la machine pour se faire rembourser ultérieurement a la possibilité d'utiliser la version dématérialisée en ligne sur la plateforme dédiée à cet effet. Et là, c'est totalement gratuit. C'est assez intuitif, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, il s'agit d'un alibi pour certaines personnes qui, hier, collectaient bien la taxe auprès de leurs consommateurs, de leurs clients, mais ne les reversaient pas. Aujourd'hui, où elles sont tenues de délivrer une facture certifiée, ces personnes trouvent le moyen de gruger une fois encore les usagers, les consommateurs, en leur proposant un système de 2 prix. En leur disant, par exemple, que lorsque vous demandez la facture normalisée, on va augmenter légèrement le prix, mais lorsque vous n'en voulez pas, on va vous vendre avec une réduction. Donc, vous comprenez très bien que c'est des stratagèmes qui sont mis en place, donc toujours, non seulement pour gruger les consommateurs, mais également pour ne pas reverser les taxes qui sont déjà collectées et qui sont contenues dans les prix de vente des produits. Signature d'un protocole de partenariat entre Fagas et Technoserve. Il s'agit d'un protocole de synergie d'action au profit des petites et moyennes entreprises. La cérémonie de signature du partenariat s'est déroulée au siège de Fagas à Cotonou. Les détails dans ce compte-rendu signé Uri Gaba et Deongwebi. Fagas et Technoserve, ensemble pour améliorer les conditions de vie des producteurs.
à travers le protocole de partenariat ici signé par les responsables des deux structures, c'est une kyrielle d'opportunités et de soutien technique et financier qui s'ouvre pour les petites et moyennes entreprises. Ce partenariat est important. C'est connecter les promoteurs, les entrepreneurs, les agriculteurs au financement et au marché. Donc, on leur donne, l'accès est difficile, donc on les aide, on lie les entreprises au financement, qu'avec ce partenariat, ils sont sûrs d'amener les producteurs au financement et être sûrs que le FAGAS apportera la garantie à ces financements. A major challenge, the challenge of access to finance that our entrepreneurs, our businesses, our smallholder farmers. Ce partenariat est fondé sur les principes et les objectifs communs et reconnaît notre force complémentarité par rapport aux services que nous pouvons offrir à nos économies, à la population, et tel que le directeur général et le directeur régional le disait tout à l'heure, en focusant nos interventions sur les couches des populations les plus défavorisées, les femmes, les jeunes, pour qu'elles puissent avoir accès au marché et faire la promotion de la richesse pour mieux lutter contre la pauvreté. Au regard de leurs expériences respectives, les deux structures ont pris la mesure de la synergie d'action puisqu'elles se rejoignent dans leur contribution au développement économique et social des pays où elles opèrent en Afrique. Cette signature fixe donc les bases de la coopération entre les deux institutions afin de mettre en commun leurs compétences, leur savoir-faire et leurs moyens financiers pour la promotion des initiatives entrepreneuriales en Afrique. Et le Bénin se prépare pour son auto-évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. C'est en prélude à ces travaux qu'un atelier préparatoire est organisé à Cotonou. Les assises ont pris fin hier. Retour sur la cérémonie de lancement des travaux avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Favoriser l'accélération du processus d'intégration régionale, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a instauré depuis 2013 la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. La 7e édition de cette revue se tiendra cette année 2021. Mais avant ce rendez-vous d'auto-évaluation, une concertation des acteurs nationaux s'avère indispensable. D'où l'organisation de cet atelier préparatoire dont les travaux vont se dérouler les jeudi 8 et vendredi 9 juillet 2021. Les assises de Cotonou répondent à plusieurs objectifs. De façon spécifique, la revue annuelle permet de renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la concertation entre la Commission de l'UMOA et ses États membres. Faciliter la mise en œuvre dans les délais prévus des réformes politiques, programmes et projets communautaires, ainsi que la coordination des politiques sectorielles nationales dans le but de réaliser le schéma d'intégration régionale de l'Union. Favoriser l'harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire. L'exercice auquel sont conviés les cadres des ministères sectoriels permettra d'abord de faire le bilan de l'édition 2020, ensuite l'état d'avancement des engagements pris aux dernières assises et enfin le point de la mise en œuvre des recommandations. Il sera également question d'aborder les aspects entrant dans le cadre des préparatifs de la prochaine revue. La même initiative sera observée dans tous les pays de l'UMOA et cette année, le Bénin compte arracher la première place. À la fin de cet atelier, on doit pouvoir dire que le Bénin est parmi les meilleurs élèves de la communauté. On doit pouvoir dire que le Bénin, en termes de mise en œuvre, est le premier. Donc cet atelier rassemble tous les acteurs des ministères sectoriels qui sont impliqués dans la mise en œuvre des réformes. Et quand on parle de réformes, c'est les finances publiques, c'est le ministère sectoriel, c'est les actes communautaires qui impactent directement les populations. C'est pourquoi le ministre d'État chargé de l'économie des finances nous a instruit de faire le point avant que la commission de l'UMOA n'arrive pour que à la fin le Bénin soit premier en termes de mise en œuvre de ces projets programmes. Au regard de ces enjeux donc, le Bénin à travers le pilier 2 du programme d'action du gouvernement a mis l'accent sur l'accélération de l'intégration sous-régionale. C'est ce qui justifie l'attention particulière
que notre pays accorde au suivi et à la mise en œuvre des actes communautaires en soutenant cette évaluation qui participe au respect des normes et engagements communautaires. Les deux jours de travaux permettront donc à ces acteurs nationaux de mieux s'outiller pour la revue annuelle édition 2021 des réformes politiques, programmes et projets communautaires qui se tiendra dans les mois à venir. Des rencontres qui contribueront à harmoniser les pratiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Direction la commune d'Abomey-Calavi. À présent, c'est la croix et la bannière pour les usagers des tronçons Carrefour Séminaire, Parana, Rueto et bien d'autres encore pour vaquer à leurs occupations. Nid de poule par-ci, impraticabilité des voies par-là, faute des eaux stagnantes qui dictent leurs lois aux usagers. L'inactivité des autorités communales est décriée par la population interrogée dans ce reportage de Teddy Goudalo et Mofit Sagouan. Difficile pour les usagers du tronçon Carrefour Séminaire Parana, dans la commune d'Abomey-Calavi, de vaquer à leurs occupations. Pour cause, la présence de ce lac artificiel qui dérange leur quotidien depuis peu. La voie est inondée, impraticable. Je voulais partir tout droit, quoi. Mais vu la profondeur de l'eau, là, je ne pouvais pas m'aventurer sur ces derniers. C'est suite à la réalisation de cette clôture que l'eau s'est stagnée à ce niveau. La seule ruelle qui permet à l'eau de disparaître est encore barré par une montagne de sable. Et parlant de clôture, une connaissance du propriétaire approché apporte sa version des faits en tant que riverain. Réaliser la clôture, c'est normal parce que le propriétaire a le droit de protéger au moins ses biens. Et donc, dire que c'est à cause de la clôture que l'eau est là, non. Même quand on n'avait pas fait la clôture, l'eau est toujours là. Donc on est là ici depuis des années, il y a toujours l'eau à cet endroit. C'est parce que c'est le terrain même qui le montre, qui est comme ça. La situation est la même ici aux alentours du marché Djadjo, en passant par le grand carrefour Rueto, qui dessert plusieurs zones de la localité. Des eaux stagnantes jonchées de boue, surtout en cette période de pluie. Bon, ça nous fatigue des fois. Tu peux prendre par ici pour aller à Gazoudik, à Wome, Maria Glita, soit à Tokan, tu peux aller à Togba, même à Ita aussi. Ce que je veux demander notre président actuel, Agbono, il n'a qu'à nous aider pour réparer la voie, parce que on souffre trop sur la voie. Vous voyez que tout est gâté, non? Tout est gâté. Donc s'il peut nous aider, ça va nous faire plaisir. À cette difficulté s'ajoutent des nids de poules qui entravent la bonne circulation des personnes et des biens. Le mauvais état de la voie met à rude épreuve la santé des riverains et leurs moyens de déplacement. L'urgence de faire des travaux d'assainissement est donc soulignée. Donc ce qu'on demande aux autorités locales, là, c'est de réagir vite pour faire des diligences et créer au moins un ouvrage d'assainissement pour un intérêt général, pour éradiquer ce problème-là. Sinon, on va demeurer toujours le même problème. En attendant de voir leur peine conjuguée au passé, usagers et riverains devront prendre leur mal en patience face à ce qu'ils qualifient d'inaction des autorités communales. Toutefois, ils espèrent leur prompte réaction pour trouver une solution à leurs difficultés. Même un calvaire sur le tronçon Tankpé-Rueto, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, les usagers du tronçon éprouvent des difficultés pour circuler. La voie est dans un état de dégradation totale et l'emprunté est devenu un véritable parcours de combattants pour les populations. La situation est encore alarmante en cette saison pluvieuse. L'une de nos équipes de reportage est allée apprécier l'état de la voie pour vous. C'est un constat signé Narcissa Lossin. Le confort dans la circulation s'arrête ici pour ceux qui s'aventurent sur ce tronçon. La voie de Carrefour, Tankpé à Rueto, c'est très très dangereux. Dangereux, et le constat fait sur le terrain est loin de faire mentir les usagers. La voie est jonchée de nids de poules, soumettant usagers et riverains à des secousses avec des risques de chute
si vous êtes motocycliste. Même hier, quelqu'un s'en est sorti avec une fracture au pied. C'est pas seulement accident. Vous voyez les difficultés qu'on a. Oh, il n'y a pas de l'argent, mais les motos se gâtent à chaque fois. Et, vous voyez. Et puis nous-mêmes, là, c'est pas bon pour notre santé. À chaque fois de tomber dans les trous routes, là. Nos engins de problème, si tu es en voiture, c'est encore difficile. Selon les populations, le calvaire date de plusieurs décennies. Mais la situation s'amplifie en saison des pluies. Et tout part du carrefour Tangpé, où l'eau de pluie stagne et dresse son lit jusque dans les rues secondaires. Ce qui fait que ce tronçon a toujours de problèmes, c'est le manque de caniveau. Nous avons déjà fait plusieurs travaux sur cette voie, mais on a un problème fondamental, c'est là où l'eau doit passer. L'eau n'a pas de voie pour passer, donc chaque fois qu'il pleut, c'est comme si on n'a rien fait. C'est ça qui crée tout ce qu'il y a comme désagrément dans cette zone. La population augmente et nous sommes de plus en plus nombreux à quitter la zone de Calavi, Tangpé et Weto. Nous avons été surpris de voir une niveleuse aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui nous aide, que Dieu le bénisse. Le salut pour les riverains vient de cette niveleuse vue sur le terrain. L'engin de terrassement oriente avec sa lame et ses deux essieux les tas de sable vers les trous pour les boucher. Un travail de reprofilage confié à ce monsieur avec un délai contractuel qui est arrivé presque à terme. Nous avons commencé depuis 3 semaines. Aujourd'hui, là, on va terminer. On espère que la dame météo nous fasse soit favorable et ça va se passer. Au total, près de 22 mètres cubes de sable sont prévus pour l'exercice de balisage des trous sur ce tronçon carrefour Tangpé-Weto, long d'environ 3 km. Seulement, ces travaux de reprofilage n'offrent que des solutions précaires, ce qui ne semble pas du goût des usagers. Moi, j'ai l'impression que il y a certaines zones qui sont privilégiées, mais d'autres, on nous a oubliés carrément. Le cas d'Aïta n'est pas venu nous aider, comment il a fait de Tangpé à Gazétique, là. Au moins, il n'est pas venu faire ça. D'essayer de réfectionner la voie pour qu'on ait l'accès facile à nos maisons. En attendant, le chemin de croix continue ici pour les usagers, contraints à subir des secousses avec tous les risques. Le geste de soulagement, lui, est espéré du côté des pouvoirs publics. On s'intéresse maintenant à la visite des centres de correction de l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Le directeur de cabinet du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et son collègue de l'enseignement supérieur sont soucieux du bon déroulement des travaux de correction. Et donc, ils ont donc fait le tour de quelques centres de correction à Cotonou pour apprécier l'évolution des travaux. Reportage. Prendre connaissance du niveau d'évolution des travaux de correction des copies du baccalauréat. C'est l'objectif de cette descente des directeurs de cabinet du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les centres de correction du baccalauréat. Sur les 10 centres de correction répartis sur l'ensemble du territoire national, 4 centres ont été visités. Les deux cabinets sont là pour vous féliciter pour le travail commencé depuis le lundi et qui s'achève, je crois, le samedi. Voilà. Nous avons constaté que tous les correcteurs ont le niveau requis et c'est des anciens pour la plupart. Nous n'avons pas trouvé de jeunes correcteurs et nous pensons que tout ira bien. Donc, merci. Le travail continue. Et les superviseurs sont là pour le reste. La première étape de leur périple a été le CEG Bégamin dans le département du littoral. Dans ce centre, ils ont parcouru 2 salles de correction. Après le CEG Bégamin, ils se sont rendus au lycée technique Koulibaly où se fait la correction des copies des matières scientifiques. La délégation s'est ensuite rendue dans les centres du CEG Le Nokoué et du CEG 1 à Boumé-Calavi où l'exercice a été le même. À chaque niveau, les directeurs de cabinet ont prodigué des conseils et invitent les différents acteurs impliqués dans cette étape du processus de l'examen à bien faire leur travail. L'environnement est sécurisé. Il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'intrus non plus. Tous ceux qu'on a vus sont vraiment invités pour cette tâche de correction qui est sensible et complexe
mais qui requiert du professionnalisme. Les critères de sélection des correcteurs, des contrôleurs et des présidents de sous-commission sont bien clairs et cela se retrouve dans des arrêtés interministériels. Quant au directeur de l'Office du baccalauréat, il a rassuré tout le monde du travail des surveillants, des superviseurs pour le bon déroulement de la correction des différentes épreuves. Chaque centre ne corrige pas les copies issues de ce centre-là, puisque nous faisons un brassage de copies et les gens corrigent sous anonymat. Après le brassage des copies, les copies sont retournées aux origines. Et les origines, c'est les autres 10 centres, c'est les 10 centres et le travail de le secrétariat commence, là, report des notes, etc. Nous avons la ferme conviction que tout se passera bien. Il faut signaler que les travaux de correction se déroulent dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19. La correction des épreuves du baccalauréat prend fin ce samedi 10 juillet et la première délibération est prévue pour le mercredi 14 juillet 2021. On parle maintenant de la séance de travail entre le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et les opérateurs économiques de l'OCOSA. Objectif de cette rencontre, se rapprocher davantage des opérateurs économiques partout sur le territoire national. Reportage. Un déplacement salué par les opérateurs économiques de la région économique Locosa. Il s'agit de celle qu'effectue ici, à l'hôtel de ville de Locosa, le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, ici à l'hôtel de ville de Locosa. Il intervient dans une dynamique de rapprochement des membres du bureau et de leur base. Une satisfaction totale, parce que nous avons constaté, ça fait la deuxième fois que cette équipe dynamique, après les réformes opérées à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ça fait la deuxième fois que cette équipe sort. Et nous avons constaté aussi leur présence dans tous les départements, même sur les plateformes numériques, pour démontrer que la Chambre de commerce est vraiment au service des opérateurs économiques. Arnaud Dakako est le président du bureau consulaire de la CCIB. Son élection a eu lieu en février 2020, après une période transitoire de refonte de l'institution par le régime de la rupture et du nouveau départ. Depuis 6 mois, nous avons décidé de tenir nos réunions statutaires d'une manière tournante, tous les 2 mois, dans chacune de nos régions économiques. Donc c'est le tour de la ville de Locosa. Et nous sommes là pour tenir notre réunion statutaire demain. Et dans chaque ville, nous décidons à rencontrer les opérateurs économiques la veille, ce qui va nous permettre aussi de renchérir notre réunion statutaire demain. Les échanges avec les opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo ont été francs et directs. Elles ont porté notamment sur les services qu'offre la CCIB, les réformes opérées ou en cours et la fiscalité. Vous convenez avec moi que les gens sont venus nombreux. Cela voudrait dire qu'ils ont vraiment besoin de nous rencontrer et aussi d'échanger avec le bureau consulaire. Et aussi, ce que nous avons le bureau à noter, c'est que la plupart de ces opérateurs économiques ont besoin d'être informés. Et ont besoin aussi de la formation. Et ça a été une très belle initiative, cette rencontre-là. Rencontre au cours de laquelle les opérateurs économiques de la région ont exprimé leurs doléances, qui ont trouvé des réponses. Et vous savez, quand vous dirigez une institution et que vous n'allez pas vers la base, vous ne pouvez pas recueillir les intentions, les préoccupations pour les mettre en application, pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est pour ça, l'initiative, elle est noble, louable. Les opérateurs économiques qui ont pris part à la rencontre ont ensuite eu droit à une formation sur comment tenir la comptabilité de son entreprise. D'autres formations sont prévues dans les semaines à venir.
dons d'équipement à 290 jeunes en vue de leur installation sur le plan professionnel. Les bénéficiaires sont des enfants parrainés par Plan International Bénin dans les départements du Koufo et du Zou. Déscolarisés, ils ont été formés dans plusieurs corps de métier. Les frais de formation et le matériel nécessaire pour leur insertion professionnelle ont été pris en charge par Plan International Bénin. Précision avec Imette Elena Moussou. Déscolarisés, ils sont parrainés par Plan International Bénin depuis l'âge de 4 ans. Ces enfants ont suivi, grâce à l'organisation, un cursus d'apprentissage dans différents corps de métier et sont aujourd'hui à la fin de leur formation. Pour l'installation professionnelle de ces derniers, Plan International Bénin leur a fait don de plusieurs équipements. Ce geste marque, une fois encore, l'engagement de l'ONG au profit de l'autonomisation économique des jeunes. En nous réunissant ce jour autour des enfants parrainés du Koufo et du Zou, en fin d'apprentissage pour leur remettre des équipements pour leur installation, notre objectif est de contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes, de lutter contre les grossesses et les mariages précoces, de renforcer l'autonomisation des filles tout en développant leur leadership afin de maîtriser le dividende démographique et être aux commandes de leur vie. Plan International Bénin a entièrement comblé les attentes des jeunes patrons, patronnes que nous sommes, et nous sommes conscients de ce qui nous reste à faire. Travailler pour nous affirmer. Ce don d'équipement est financé par le fonds de parrainage de Plan International. La remise des kits aux 290 bénéficiaires a été couplée avec celle de matériel roulant et ordinateur aux animateurs communaux. Ce lot de matériel est également offert par l'organisation humanitaire via les préfets du Koufo et du Zou ainsi que les mairies. Il y a 3 ans, plusieurs de nos enfants déscolarisés étaient à la maison, sans orientation, sans ressources et sans destination précise. Plan International Bénin, dans sa logique de développement centré sur l'enfant, s'est impliqué avec une détermination sans pareil au secours de ces jeunes. Je voudrais sincèrement dire merci à Plan International Bénin pour cet accompagnement de la jeunesse pour qu'elle n'aille pas en déperdition. Parce que ne pas avoir un travail en main, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, je voudrais remercier notre partenaire Plan International Bénin pour la continuité de ces actions. Notre partenaire là, ça fait déjà un bon bout de temps. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les artisans à se mettre à jour par rapport aux nouvelles mesures de réglementation du secteur de la formation professionnelle. Les équipements remis aux enfants parrainés sont composés de kits de coiffure, de couture, d'électricité, de tisserand, de vulcanisation, photographie et autres. Ils sont estimés à 22 786 900 francs CFA. La prochaine étape avec les bénéficiaires sera l'étude de leur plan d'affaires. Aux animateurs des 6 communes du Koufo et des villes d'Agbanizou, Djidja, Zobodome, Boykon et de Kove dans le Zou, 6 motos et 9 ordinateurs ont été offerts. Le coût des matériels est évalué à 16 089 915 francs CFA. À la suite de ces cérémonies, la délégation de Plan International Bénin a mis le cap sur le département des collines. Objectif, informer les nouvelles autorités en vue de solliciter leur soutien et leur collaboration dans la mise en œuvre des programmes dans la région. Le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace de Hao lance officiellement ses activités à Djougou. Le réseau entend, à travers ses interventions dans la commune, lutter contre les violences à l'égard des filles et des femmes. Précision. Le réseau Paix Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO REPS FECO Bénin apporte sa caution dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Par ses assises de Barienou, un arrondissement de la commune de Djougou, il lance officiellement son projet d'appui à la protection des droits des femmes, des filles et prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un projet financé par l'ambassade de France à travers le projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA. Nous allons former des acteurs de prise en charge des violences basées sur le genre. Nous allons former 30 acteurs par localité. Nous allons mettre en place des cliniques mobiles
qui seront animés par 4 acteurs de prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles. Et comme 4e activité principale, nous allons faire des évaluations pour voir les effets que le projet a eu sur les populations cibles. Autant d'actions à mener sur le terrain en vue de combattre ce phénomène qui compromet l'avenir de la gente féminine. Pour attirer l'attention de l'assistance sur les sanctions réservées aux auteurs et co-auteurs des actes attentatoires à la dignité de la femme, une communication a été présentée sur la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Cette loi, je crois que c'est une loi d'avant-garde. Ce n'est pas une loi qui est contre la société. Donc, ce n'est pas une loi qui est contre l'homme, mais c'est une loi qui est pour tout le monde. On doit pouvoir se l'approprier. On doit être, autant que nous sommes, devons être défenseurs de cette loi-là. C'est une très belle initiative qu'on peut répéter dans d'autres milieux. Ici, Barrière, nous, est peut-être un peu sorti, mais je voudrais bien que si cette activité, on peut organiser ça dans Djougou Centre. Nous sommes convaincus que les femmes rencontrent d'énormes difficultés dans leur foyer, tout comme d'ailleurs dans la vie. Nous, les hommes, nous avons encore des attitudes d'hommes qui font que de plus en plus les femmes sont un peu marginalisées ou violentées. Nous apprécions, n'est-ce pas, cette opportunité qui est offerte aux femmes de Barinou. Ce projet qui va durer 6 mois va impacter 4 localités du pays, à savoir Savalou, Tchéti, Banikwara et Djougou. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.